Nickel. À l'arrivée du rallye des vallées axonaises, c'était un peu le goudron noir du Rouergue que tu avais ramené. Ça glissait pas mal. Ouais, c'est la deuxième spéciale, c'est typique du Rouergue, mais par contre sans le grip. Du coup, ouais, c'est vrai que ça glissait fort fort, même jusqu'au dernier virage, là, dans la dernière, on a eu chaud. Heureusement, j'ai eu le réflexe de lâcher les freins et puis réaccélérer, et puis ça a passé. Donc, du coup, des bons réflexes encore, donc ça va. T'es encore chaud du Rouergue? Ouais, bah après le Rouergue, c'est vraiment un beau rallye. Et puis c'est vrai que une fois qu'on a fait les longues spéciales là-bas, ouais, on est vraiment épuisé. Ici, bon, ça reste des petites spéciales. C'est pas la même chose, mais c'est bien d'aller rouler à l'extérieur et tout. Comme là, ça m'a permis de le classement, à mon avis, en roulant pas à l'extérieur, il aurait pas été celui qui est là aujourd'hui. Donc, Des spéciales que tu as appréciées, donc la 1 ou la 2? Dis-moi celle que tu as appréciée, la 2, je pense. Oui, la 2, la première, premier passage, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce qu'il y avait énormément de pièges en fait, beaucoup de bosselets, tout ça. Et je sais que c'est le point faible de l'auto. Et puis si elle décroche, c'est compliqué à la récupérer. Donc, mais après, la deuxième, ouais, vraiment belle spéciale. Honorine, tu as apprécié le rallye avec Michael? Tout à fait, un beau rallye, encore un de fait ensemble. Un beau rallye, c'est ce que j'ai dit à l'organisateur, vraiment chapeau à lui pour un premier. C'est très bien, une très belle organisation, des belles spéciales, notamment la deuxième, parce que c'est des routes qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter en rallye, enfin, du moins dans notre région, donc vraiment un très beau rallye. Contente de notre résultat et une belle course. Des personnes à remercier, Honorine? Bah oui, donc tout d'abord mes sponsors. Ouais. Que je remercie. Les gens qui sont venus me soutenir ici ou qui n'ont pas pu venir. Également les photos, vidéastes et l'organisateur. Voilà. Et puis Mika, bien sûr. Mickaël, les partenaires, on les connaît bien. Hein. Ils sont fidèles à toi. On se demande pas pourquoi. Hein. T'es un mec régulier, tu finis tes courses et toujours du beau spectacle. Oui, on a encore fait du spectacle et tout. Bah, après les partenaires, oui, ils nous suivent. C'est bien. Et puis après, ouais, merci à Honorine aussi. Et puis bravo à l'organisation. Car c'est vrai que pour un premier rallye, c'est très bien. Et puis il n'y a rien à dire. Et j'espère pour eux que l'année prochaine, il y aura davantage d'engagés. Parce que c'est un rallye qui vaut vraiment le coup. Prochain rallye, j'ai vu que sur Facebook, tu as marqué que tu faisais une pause. C'est bizarre. Les pauses, ça ne dure jamais longtemps avec toi. Non, ça va pas durer longtemps. On va attendre Fourmis. Donc du coup voilà. Après là par contre je pense que je vais faire l'impasse sur Boulogne cette année. Parce que je vais remettre un peu l'auto en état quand même pour anticiper la finale. Donc là je vais faire la carrosserie. Et puis après comme ça faire une révision mécanique après le Marcanterre. D'accord, ok. Bah, merci à vous, puis félicitations. Et puis Mickaël, freine tard, comme d'habitude, toujours. J'aime bien te voir freiner parce que tu freines toujours tard. À la prochaine, merci à vous. Merci à toi, Greg. Salut. Merci.